Notre mission, sauver ce qui reste à sauver. Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Et parfois même, nous sommes vos amis. Mais lorsque vient l'appel, nous laissons tout. Nous devenons la division. Alors, homme ou femme? Homme. Visage. Comme ça, couleur de peau. Couleur de... Qu'est-ce que... On va mettre comme ça, cheveux. Alors... Donc du coup, on se retrouve bien sur Tom Clancy de Division. Désolé. Ça change un peu de jeu, voilà. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose en fait en barbe et tout. Je vais mettre comme ça, couleur de cheveux. On va mettre comme ça. Cicatrice. Donc là c'est de la peinture, si on met de la peinture sur le visage ou pas. Ok, tatouage. C'est sur le visage aussi, ouais. Voilà, c'est pas vraiment... Merde, je voulais l'enlever en fait du coup. Pas tatouage, voilà, c'est mieux. Accessoire, piercing, lunettes. Ah ouais, c'est vraiment cool, moi je dis, parce qu'on pourra ajouter vraiment des... Je vais mettre des lunettes comme ça. Et confirmer. Activer en... Hop là, du coup c'est bon. Juste les graphismes sont juste magnifiques comme jeu, donc voilà, on se retrouve pour une vidéo découverte sur ce jeu. Et c'est vraiment... Je sais pas si c'est sur la suite qu'il faut tirer ou pas. Ok, c'est cool. Alors... Du coup, je connais pas du tout le jeu, donc on va y aller tranquillement. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Dommage qu'on voit pas bien son visage. Donc là, on peut taper. Caméra et tout. Sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. C'est la planque. Yo. Porte. Voilà. On est en train de faire retour au quartier. Les émeutiers ont franchi les barrages et ils se dirigent par ici. Alors il faut tenir cette position. Je vois que quelqu'un d'autre a reçu l'appel. Agent Failo, division. J'ai été activé en même temps que vous. On fait partie de la deuxième vague.
Je sais pas ce qui est arrivé à la première, mais j'ai l'impression qu'il nous reste encore pas mal de boulot à faire. On n'a pas beaucoup d'infos, et on peut pas se permettre d'échouer. Manhattan est en confinement total et Brooklyn ne tardera pas à l'être. Des gens comme moi, et comme vous, c'est tout ce qui reste pour tenir le feu. Ce que je me souhaite, c'est d'en savoir un peu plus quand on aura retrouvé le commandant. En savoir plus sur la situation, comme sur ceux qui transforment la ville en zone de guerre, et sur tout ce qui nous permettra de faire notre boulot au mieux. Si vous voulez bien m'excuser, le temps. Le Major Hazen et son équipe gèrent les rapports de situation. Si vous cherchez un coin où ça chauffe, c'est eux qu'il faut aller voir. Voilà, je suis avancé un peu. Activation terminale pour officialiser votre statut opérationnel et activer votre équipement. Identité confirmée. Équipement SHD activé. Donc bien sûr, je connais pas du tout le jeu, donc du coup j'essaie de fouiller un peu, voir. J'essaie de chercher un peu, toc. Ok, on va voir par là, on va... D'accord, ici on peut pas sortir. On peut pas aller plus loin. Rejoins la partie. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Y'a pas une carte? Ah si. C'est quoi ça là-bas? Mission secondaire. On va aller là-bas. Agent, on nous a signalé une prise d'otage dans une banque du quartier. Vous allez devoir passer par le tunnel du métro pour y accéder. Rendez-vous sur place et faites votre possible pour éviter les dégâts. Putain, on peut pas prendre une voiture, c'est dommage. Isaac peut intercepter les transmissions à partir de certains points de la carte. Ainsi, vous aurez plus d'informations sur les objectifs de chaque zone. Là-bas, il y a du monde, donc je sais pas si c'est avec nous ou pas. Les émeutiers ont volé le stock de rations du centre de distribution de Brooklyn Heights. Ils vont sûrement chercher à la vendre. C'est un vrai scandale. On peut pas les laisser se remplir les poches sur le dos de gens qui souffrent. Faites quelque chose. Pas de soucis. Je kiffe vraiment les graphismes parce que c'est vraiment bien fait. On est vraiment en mode les années maintenant, donc on va dire genre année 2016, c'est vraiment assez cool. C'est vraiment classe, c'est bien fait, voilà. C'est un peu dommage que je suis coincé. À l'aide. Ah, le bug. J'ai un souci des gars, je suis coincé dans la poubelle. Il veut vraiment pas sortir. Merci. Bah ouais, mais j'ai pas le choix de tirer, donc aidez-moi. Putain. Y'a pas de grenade. J'essaie d'appeler du monde pour qu'il vienne m'aider. Dépêche-toi, putain, je veux sortir de là. Putain, je suis coincé, les gars. Pourquoi j'ai été me foutre dans la poubelle aussi? Il y a même des avis recherche pour les chiens et tout. Vous avez vu, il y a un bug, je suis bloqué. Sinon, je suis obligé de quitter puis revenir. On peut pas faire reprendre la partie ou un truc comme ça? Paramètres, sortir. Putain, je suis coincé, les gars. Comment je peux faire? Quand on est coincé dans un cours, tu peux pas faire autrement, donc c'est chiant. Mais bon. J'essaie de sortir d'ici, mais j'arrive pas. Je suis coincé à l'aide. Allez, tu peux pas ressortir d'ici. Attendez, c'est moi qui vais ressortir en retour. Non, c'est pas non plus. Ah si, c'est bon. J'ai réussi à sortir, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Oui. Enfin. Je suis passé pour un idiot à rester coincé, mais c'est vrai, il faut aller là. Allez, hop là.
On descend. Voilà, c'est les grenades. Ok, on y go, 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 go. On y go, 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 go. Comment on fait pour monter les chaînes? C'est bien une échelle. On est bien. Ah, si on peut pas monter les chaînes, on est un peu dans le caca. Appuyez sur A. D'accord, c'était le. Ok, autant pour moi. Attention, présence hostile détectée. Le boy en mec. On va attendre un peu. Putain. C'est chaud, les amis, c'est chaud. Bon, est-ce que je peux les tuer ou est-ce que je les tue à votre avis? Ouais, j'ai un peu merdé quand j'ai tiré. Hop. Merde, il y en a d'autres. Ok. Ok. J'ai pas de grenade, non. Ok, on y va. Oui, c'est moi. Au pire, défonce la porte, ça ira plus. Bon travail, agent. Félicitations. Merci. Je suis tellement reconnu. Merci. Merci. De rien. Il faut que je parte ici. Bah vas-y, casse-toi. Ça fera 10 dollars. Ok. Moi aussi, je suis en façon. Je me casse aussi. Bon, j'ai pas vraiment expliqué les mecs qui étaient en train de fouiller. Ils sont morts. Lui il a fait un dodo contre le mur, je sais pas qu'il nous fait. Lui il est resté. On peut pas. Ah, c'est, il y a du sang, mais c'est dommage, ça coupe pas. Alors. Il y a un point jaune là, ici donc on a un truc chaud. Bah non, c'est des égouts. Alors, on a. Mission secondaire plutôt. C'est un peu dommage, c'est nous qui devons choisir la mission. Les émeutiers ont volé une caisse de morphine. Ils vont probablement essayer de la revendre ou de l'utiliser. On a des gens qui souffrent ici et qui en auraient vraiment besoin. Okay, cool. C'est à vous de récupérer cette caisse par tous les moyens. Yep. Pas de soucis, mon pote. La police, la police, la police. Un peu dommage, c'est que bah. C'est nous qui devons faire la mission. J'espère pas que ça va être ça, mais c'est un peu dommage sinon. On a dit c'était par là. On peut faire quoi avec la porte? On peut l'arracher, c'est ça? Non? Attendez, il y a un truc avec la porte. Ah, je crois qu'on peut l'arracher la porte. Merde, j'en ai porté. C'est là? Ah oui, merde. Caisse dans l'écoulement localisé. Putain, ils sont combien l'autre? Il est venu d'où? Ah, c'est la Camille, je pense.
comme si j'allais abandonner. Oh putain, la visée est un peu proche. Eh ouais. Suicide déverrouillé. Confirmation. Ravitaillement marqué pour extraction. JTF informé. Mais quoi, toi? Ici Sparrow 5. On approche de votre position. Voilà, j'ai pris des choses. Attention. Force hostile en approche. Merde. Attendez. J'ai essayé de faire quelque chose. J'ai dit détendre, tu sais pas détendre. Putain, ils sont partout eux. Il y a un truc là. Alors, tu veux toujours te battre contre moi? Merde. Putain, mais il sort d'où? De vie. Confirmé. Bah c'est bon, c'est la survie qui est arrivée. Ah ouais les gars, mais il faut arriver avant un peu. Tout au moins les gars, il faut arriver un peu avant. Là il y a de la vie, donc je pourrais prendre la vie. Si j'arrive à la prendre, bien sûr. Saute. Cible sécurisée. Aucun hostile à proximité. Moi je veux bien sa vie. Beau travail, agent. C'est bon, j'ai récupéré. On va faire parvenir ces médicaments à des gens. Oh là, j'ai sauté derrière toi. Eh, bouge pas, hein, sinon je te explose. Attends, il y a des trucs sur lui, non? Non. Ok, c'est bon. On a tout avec nous. Ok, on va aller à la mission suivante. Là, mission secondaire. Allez, c'est parti. Là, il m'a pas dit ce qu'il faut faire pour la prochaine mission. Elle va être silencée, c'est dommage. Allez, ici à gauche. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Ouais, c'est là qu'on était tout à l'heure. À l'endroit pourquoi qu'on a commencé. Bonjour. Ouais. Je vais pas vous tuer. Je vais tout simplement voir si vous avez besoin de l'aide. Allez, cours toi, Jean-Claude. Qu'est-ce qui va en vélo? Je vends un vélo. Agent, des émeutiers ont volé le stock de rations du centre de distribution de Brooklyn Heights. Ils vont sûrement chercher à les vendre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'aurai des soucis. On peut pas les laisser remplir les poches sur le dos de gens qui souffrent. Faites quelque chose. Ah ouais, mec, t'as voulu le tuer. C'est juste sauver la vie. Bon, c'était avec moi, ça va. Désolé si vous entendez mon chat miauler. Il va rentrer dans ma chambre, mais en fait, je vais vite qu'il rentre. Parce que sinon, il va miauler. Et je pense qu'on doit rentrer là-dedans aussi. Oh, mon beau gosse. Ah, je crois qu'ils avaient tué du monde encore. Mais non, pourquoi je saute? Du coup, c'était là derrière la barrière. Non, c'est bon. Non, ça va, je pense. Ok.
Je sais pas c'est quoi, donc je mets un point, mais bon. Point de passage. Alors. Je suis en train de réfléchir. Ouais, j'étais pas sûr, c'était des mecs, des bandits. Zone sécurisée, ennemi neutralisé. Ils ont juste mal à la tête, mais c'est pas grave. Attention, force ennemie en approche. Ah, c'est quoi ça, une force? Ah, moi je crois que c'était une blague. Vous me dites une farce, moi je crois que c'était une blague en fait, les gars. T'es sûr? Putain. Ta maman m'a dit tu dois rentrer chez toi. Bon, je t'ai prévenu, je t'ai dit ta maman m'a dit tu devais rentrer chez toi. T'as pas voulu rentrer chez toi, t'es mort maintenant mon pote. Viens pas ta plan. Ça, j'ai fait trop vite, il y avait des trucs marqués, mais j'ai fait trop vite. On va rentrer dedans parce que ça clignote. Marqué. Voilà. Oh putain, ils ont volé. C'est le camion qu'ils avaient volé. Super boulot, agent. On va pouvoir distribuer tes rations à des gens qui en ont besoin. Voilà. Ça, c'est du bon travail. Je suis content. Je suis fier de moi. Qu'est-ce que tu veux toi? Bon, par contre, c'est un peu obligé qu'on soit à pied. Ils auraient dû mettre un petit vélo ou un, je sais pas, une trottinette ou quelque chose que c'est. Qu'est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est un peu chiant d'y aller à pied. Et du coup, dans la voiture. Voilà. Bah, je t'ai vu, toi, fais gaffe. Non, je suis pas perdu. Ah, je me méfie quand même. C'est quoi, c'est le QG ça? Ouais, c'est le QG. On va aller faire un petit tour quand même au QG, on sait jamais s'il nous donne quelque chose. Ah tiens, regardez. T'es qui toi? C'est qui ce mec? Mais c'est qui eux là qui arrivent comme ça les gars là? Oh, je me casse. J'ai bien confiance. Oh merde. Attendez, il y a un caddie là. On peut acheter. Parler. Oh, on peut acheter des armes. C'est cool. Avec les points. Fusil de double canon. Ok, bon, c'est pas grave. Bah, les amis, j'ai fait une petite vidéo comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Donc, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On peut faire une vidéo trop longue, après vous allez dire c'est un peu trop long. Donc on sait que la prochaine, on va se retrouver ici pour aller à la prochaine mission qui est là-bas. Donc on va montrer ce là-bas. La prochaine mission qui est ici. Donc du coup, voilà. On vient de recevoir un appel de détresse. On écoute juste de police qu'on utilise comme centre de distribution. Ils sont attaqués par des émeutiers. D'après nos renseignements, leurs agresseurs comptent échanger leurs otages contre des médicaments. Allez, passe, éliminez toute menace et libérez les otages. Donc vous avez compris, la prochaine mission. La prochaine mission plutôt. Désolé, j'ai un peu du mal. La prochaine mission, donc du coup, ça va être libérer les otages. Lui, je sais pas qu'est-ce qui est, c'est qui. Je pense que c'est des mecs qui sont avec moi. Donc du coup, voilà, on ira la prochaine fois à libérer les personnes, les otages. Et du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Donc c'était la première fois que je jouais à Tom Clancy sur Xbox One. Donc moi, je vous dirai très vite. Et ciao, bye bye. Et puis tout le monde, salut.